éclate. C'est béni le papier, chaque projet enchanté. Pile ou scrap, ensemble on va tout transformer. Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Mais alors un haul de craquage de malade qui tue. On est sorti avec les filles hier. Donc hier et aujourd'hui, mais hier. Donc aujourd'hui on a eu un autre craquage de malade, mais je vais pas vous montrer. Mais du coup, hier on a acheté du scrap, mais on a acheté aussi du coloriage mystère. Parce que bah avec Jade, on va se lancer dans le coloriage mystère. Alors, pas forcément vidéo, hein. Je vais peut-être pas vous faire des vidéos. Je ferai plus peut-être des vidéos, mais pour mettre sur mon TikTok plutôt que de mettre sur ma chaîne YouTube. Ou alors en réel, mais pas en vidéo, je ne pense pas. À moins que vous vouliez en voir. Mais si vous voulez pas en voir, je vous embêterai pas avec ça. Alors du coup, première chose, en scrap chez Action, j'ai trouvé ces blocs-là. Ça doit être des nouveautés, parce que je ne les ai pas encore vus sur les halls des chaînes. Donc j'en ai 4. Je ne les ai pas encore vus, ou alors j'ai pas bien regardé. Mais du coup, c'est du papier décor. Et je trouve que pour faire des cartes, vous coupez ça en 2 ou en 3, vous avez un fond. C'est plutôt pas mal. Du coup, vous avez celui-ci, le vert. Et il y a 3 feuilles à chaque fois, je crois. 1, 2, 3. Alors, 4 même. Je suis pas spécialement reine du foil. Mais quand vous faites un matage en foil et que vous venez mettre votre création par-dessus, ça me choque moins, en fait. Hein. Comme le papier miroir, en fait. Ni plus ni moins. Donc, celui-ci avec des pois. Vous avez celui-ci avec des feuilles. C'est les feuilles qui sont en foil. Vous avez celui-ci avec des formes géométriques. Vous avez celui-ci. J'espère que vous voyez bien, parce que comme c'est foil, ça vous en prenez plein le visage. Vous avez celui-là, que je trouve très joli. Alors, je me suis cassé un ongle, encore. Et j'ai très très mal, parce que... à ras, comme ça, j'ai pissé le sang ici. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas tarder à les refaire, donc ça va aller. Du coup, celui-ci. Là, vous avez une feuille, des feuilles. Encore des feuilles, mais d'une autre façon. Là, vous avez des vagues. C'est plutôt sympa. Celui-ci est très joli. J'aime beaucoup celui-là. Alors, je fais vite. Hein, parce que, voilà. Vous avez celui-ci, mais alors là, il n'y a pas de feuille. Mais c'est pas grave. Hein. Tant mieux. Celui-là est très beau. Hein. Vous avez celui-ci. Celui-là. Là. Et celui-ci. Mais alors, je ne me rappelle plus des prix. Je ne sais plus. Mais alors, du coup, c'est celui-là en 250 grammes. Je trouve que ça fait pas 250 grammes. Hein, parce que sinon, je pourrais peut-être pas le plier comme ça. Mais bon. On verra bien. Ensuite, vous avez celui-ci avec les papillons. Donc, je vous le mets comme ça pour mieux que vous le voyez bien. Les papillons. Celui-ci est très joli. Alors, c'est Jade qui a craqué pour celui-là. Pour faire en dessous des cartes, je pense que ça peut être bien. Celui-ci. Mais vraiment pour faire du matage. Hein. Celui-là. Celui-ci est très beau. J'aime beaucoup celui-là avec les carrés. Bon, celui-là, il est un peu abîmé. Ça va, les autres, ils ne sont pas abîmés. Et celui-ci. Les papillons, là, sont très jolis. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, vous avez des formes comme des éoliennes. Celui-ci est très bon. J'aime beaucoup. Très joli papillon. Fond aquarelle. Très joli. Celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Moi, je n'avais pas encore vu. Celui-ci avec le colibri. Ensuite, vous avez rose. Très beau. Les chevrons. Des pois. Des fleurs. Des petits cœurs. Des bombardiers. Des igouigouis,
Des petites fleurs, encore des fleurs, des rayures, des fleurs, des confettis, pourquoi, des formes géométriques, des fleurs. Et le dernier, c'est celui-là. Alors, moi, je suis plus celui-là. Et alors, pour être honnête, moi, c'est plus, ces deux-là, ce sera plus pour Jade. Alors, celui-ci, vous avez ce genre de fleurs. J'aime beaucoup. Là, ça fait comme des taches des léopards ou girafes. Celui-ci, mais en matage. Toujours en matage. Celui-ci. Vous avez ça. Ça. Des rayures, des feuilles, celui-ci, encore des, ça fait girafe, des fleurs, des taches, des arcs-en-ciel, et voilà. Donc ça, c'est les 4 blocs que j'ai trouvé hier chez Action à Chambly. Nous sommes allés à Chambly. Ensuite, chez Action à Chambly, j'ai retrouvé des nouveaux peintres marqueurs comme ceci qu'on a pris pour les coloriages justement. Mais on attend surtout une commande qu'on a achetée sur Chine. En fait, on attend plus ça. Voilà, donc du coup, on a pris la boîte orange, où vous avez les jaunes. Je vais pas les ouvrir parce que je veux pas les amorcer tout de suite. On fera un test étant donné que j'ai des coloriages à faire. De toute façon, il faut que je fasse mes nuanciers. Donc, ça va le faire. Donc là, vous avez les jaunes, les rouges et les orangés et les marrons. Sur le rose, vous avez les violets et les roses. Violets, voilà. Et il y a même des métalliques, à voir ce que ça donne. Et les bleus, vous avez les verts, les violets et aussi des teintes un peu de marron, peut-être. Et là, or. Donc, c'est plutôt sympa. Et ici, argenté. Ouais. Donc, à voir, à tester, voir ce que ça donne. Sur les coloriages, mystère. Sachant qu'on en attend de ces Shein qu'on a commandés. Et ensuite, c'est chez Nose que j'ai trouvé 3 tampons que j'ai pris parce qu'ils n'étaient pas très chers. 1,20€. Vous avez celui-ci, mais celui-ci me fait penser à un qu'on avait eu chez Action. Et je me demande si c'est pas le même d'ailleurs. Je suis en train de me poser vraiment la question. Parce que les écritures là me parlent. Et à voir. Donc ça, 1,20€. Celui-ci avec des fleurs, 1,20€ aussi. Voilà, et celui-ci est des coquelicots, je pense que c'est des coquelicots, ça y ressemble en tous les cas à 1,50€. Et puis des petits mots, bien sympa. Donc voilà, ça c'est le scrap que j'ai eu, donc ça chez nous. Ensuite on a été chez Cultura, non, je dis des âneries, si on avait été chez Cultura avant, non. Ça c'est chez Leclerc... Leclerc culture, vous savez, l'espace culturel de chez Leclerc. Donc, je vais vous montrer ce que Jade s'est pris. Celui-là, c'est à moi. Alors, Jade s'est pris le tome 11 avec Bambi. Elle en a pris plein. Parce qu'elle en a déjà fait. Elle c'est déjà une adepte de ça, elle en a déjà fait. Et il y a des doubles pages, mais magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Donc, elle a pris celui-ci, la planète au trésor. Ça, c'est notre dessin animé quasiment préféré, La Planète au Trésor, qui est très, très, qui est pas plus connu que ça. Et c'est David qui fait le personnage, David Hallyday qui fait le personnage principal de ce dessin animé. Alors ici, il y a les Encanto, les Aristochats, Alice, Sopin. Vous voyez, c'est des doubles pages. Plutôt sympa, hein. Cuisinier. Le Pinocchio en double page, il est magnifique.
La Reine chasse la neige. Les Flash McQueen. La Fée Clochette. Merlin, l'Enchanteur. Ça, je sais pas, c'est quoi. Ça doit être les fées, là. Ça, c'est Zootopie. On aime beaucoup. La Belle et la Bête, il est trop beau. La Petite Sirène, Rebelle, Peter Pan, Winnie l'ourson, Winnie l'ourson, Avalonia, l'étrange voyage, je connais pas. Attends, Petit Empire perdu, donc la planète au trésor, ça c'est un des méchants. Atlantide, Bambi, Volt, Star, malgré lui, j'adore Volt. Par contre, si vous ne l'avez jamais vu, celui-là, moi je vous le conseille, il est trop bien. Bernard et Bianca, Robin des Bois, Vaiana, moi je l'ai pris le Vaiana, parce que ça fait, il fait partie des dessins animés que j'adore. J'adore Alerte Rouge aussi. Moi je suis une grande fan de réponse, grande fan des Disney. Des fois on se fait des marathons avec les filles de Disney. Celui-ci est très très beau. Donc celui-là, c'est le tome 11 qu'elle s'est pris. Elle s'est pris Les Petites Bêtes. De Disney, donc en coloriage mystère. Donc vous avez toutes les petites bestioles. Elle est super sympa. Je vous les détaille pas, mais vous voyez, c'est plutôt sympa. Hein. Ensuite, elle a pris Les Chiots et Chiens. Il est beau. J'en profite pour les fêter parce que je les ai pas regardés, moi, ce qu'elle a pris. Moi, je suis resté raisonnable. J'en ai pas pris autant. Et le dernier. Ah non, il y en a. Oui, c'est le dernier. Les Grands Classiques, tome 2. Ça, c'est les solutions. C'est les solutions à la fin. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, des super, des magnifiques. Voilà, ceux-là, c'est ceux de Jade qu'elle s'est pris. Sachant qu'on attend nos feutres acryliques pour les faire. Et moi, j'avais craqué chez Cultura pour deux, déjà. Donc pour deux, chez Cultura, j'avais pris celui-ci, le tome 12, et j'avais pris Les Princes et Héros. Donc, dans celui-là, vous avez les grands classiques. Donc, du coup, vous avez un peu tout. Hein. C'est juste parce que c'est la couverture qui est avec Encanto. Mais voilà. Quoi. Il y en a des super beaux. J'adore. De la planète au trésor, je vais y piquer. Il y en a des beaux. Hein. C'est vraiment beau. Elle avait piqué la princesse et la grenouille. Celle-là aussi. Tiana. C'est son Disney préféré. Voilà. Et les princes héros. Donc celui-là, je les ai eu chez Cultura. Il y en a des sublimes. Oh, trop beau. Ben oui, il est trop beau. Et hier, j'ai craqué pour deux de plus.
de Vaiana. Donc, c'est la légende du goût du monde. Donc là, je crois que c'est vraiment qu'un spécial Vaiana. Parce que moi, j'adore Vaiana. C'est mon Disney avec la planète au trésor préféré. Il y en a des très beaux. Trop, trop beaux. Les soirs d'hiver, là, devant un film de Noël, ça peut être pas mal. Vous avez celui-là. Et le deuxième que j'ai craqué, c'est celui-ci. Princesse édition collector. Et j'aime bien celui-là, pourquoi? Parce que en fait, il n'y a rien derrière. C'est vraiment que sur cette page. D'accord? Édition collector. Gris mystère. Et vous n'avez rien derrière. C'est l'avantage, vous voyez? Donc, pas de problème de dépasser. Et là, vous avez les Solus. J'ai hâte de commencer. On a des trop beaux. Mais je vous dis, ça se fera pas en vidéo. Je ferai juste quelques vidéos, mais pour mettre sur ma chaîne TikTok, enfin sur TikTok, pour pouvoir mettre sur TikTok, c'est tout. Donc voilà. Mais je les trouve canon. Et je trouve le bouquin, mais trop joli, quoi. Vraiment très très beau. Et là, j'ai pas envie de dépouiller les autres. Je vais certainement les casser et les mettre en lutin. Mais pas ceux-là. Voilà. Et donc, je crois que c'est tout. Un craquage. Et c'est déjà pas si mal. Ah non, il me reste un tampon là aussi. Un tampon chez nous, j'avais pris les lettres là. Les lettres et les nombres. 1,20€. Ils sont plutôt sympas. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ça me fait. Parce que ça, c'est pareil, j'ai pas trop ce genre de tampon. Donc voilà, ça c'est le gros craquage d'hier. On va pas sortir trop souvent, hein, parce que voilà, les craquages comme ça, c'est bien, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Donc là, je suis bien contente de reprendre le boulot lundi, ça va m'éviter de faire les magasins pour un oui ou pour un non. Et puis de revenir avec plein de trucs dans le sac, et voilà. J'ai acheté plein de petites décos de Noël aussi parce que, ben, en fait, on est en plein dans les calendriers de l'Avent. Donc, je vous ai pas fait de tuto parce qu'en fait, le tuto des boîtes existe déjà sur ma chaîne. Je vais vous le mettre en description là. Comme ça, vous pourrez retrouver la chaîne, la vidéo pour faire ces boîtes. Et après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais faire une pyramide. Et les coller les unes aux autres pour faire une pyramide. Et après, on va décoller avec des petits sujets qu'on a achetés chez Action. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui est prévu. Je vous ferai une photo ou deux que je vous mettrai dans la communauté. Et puis, comme ça, vous pourrez voir les calendriers qu'on a fait avec les filles. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, bien, surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Allez, bye bye.